Alors, en fait, pour attirer de nouveaux talents, parce que c'est tout un défi, hein, l'industrie, elle souffre d'un déficit d'attractivité, à la fois parce qu'elle est dans des territoires qui, jusqu'à la crise, n'attiraient pas trop, et en même temps, elle est un secteur qui n'attire pas. Donc, il y a tout un enjeu, c'est de recréer, mais de manière générale, non, pour toutes les entreprises, de créer des métiers qui ont du sens et de montrer que quand on fait tel type de métier, on participe à quelque chose qui nous dépasse. Et donc, la question environnementale, elle devient clé pour tout le monde, puisque toutes les jeunes générations sont très sensibles à ça et le voient comme quelque chose de primordial. Une entreprise qui ne serait pas intéressée à son rôle dans la transition écologique, dans le défi climatique, finalement, apparaît comme une entreprise has-been qui n'a pas d'avenir. Donc, si elle ne prend pas en compte ces défis, et d'ailleurs, elle est en train de se faire sanctionner par les jeunes générations qui ne veulent pas travailler dans ce type d'entreprise, mais elle va aussi bientôt se faire sanctionner par les marchés financiers, que ce soit les banques ou les fonds d'investissement, qui sont de plus en plus en train de mettre des critères liés à l'environnement dans leurs critères d'investissement. Donc, qui ne prend pas le train en marche aujourd'hui est voué à être condamné par l'histoire.